Yosh, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur les cartes One Piece des Kizuna. Alors regardez les jaquettes. Normalement, je dois en avoir 90, donc on va les découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. On va commencer par celle-là. Les dos des cartes. Voilà. Attention. Nous avons Margaret. Nous avons, si je me trompe pas, lui, je crois, c'est... Alors, non, c'est pas Penguin, lui, c'est Stashy. Équipage de l'eau. Ah ben, Penguin, le voilà. Équipage de l'eau aussi. Le frère de Caribou, ben, je crois, il me semble qu'il s'appellerait Caribou, lui aussi. Rayleigh. Alors, lui, c'est de la marine. Alors, putain, c'est quoi son... Je sais plus c'est quoi son nom. C'est un... Enfin bref, c'est quelqu'un de la marine. Un autre de la marine qui fait partie du film qui est sorti en décembre au Japon sur Foxy. Il s'est infiltré dans l'équipage de Foxy. Un autre de la marine, alors lui, si je me trompe pas, il était dans... Je crois que c'est lui qui se... Non, attends. Je sais plus où on l'a vu. Ah, Virgo jeune. Et Kyros jeune. Deuxième paquet. Ah, une petite pub. Alors. Voilà. Seigneur Punk jeune. Ou Seigneur Pink. Low G plus jeune. Doflamingo jeune. Brooke 2 ans avant. Franky, 2 ans avant. Robin, toujours 2 ans avant. Usopp, qu'il a tiré sur la tête de l'un des dragons célestes. Je crois que c'est sur Carlos, je crois. C'est un Carlos, je crois qu'il s'appelle. Ou c'est le fils, je sais plus. Sanji, 2 ans avant. Et Chopper, 2 ans avant. Alors là, c'est là, dans la tribune des Lombras quand Brooke, quand il atterrit sur l'île des Lombras, qui s'est fait capturer. Ça, c'est l'un des chiens, un chien robot à peu près, parce qu'il est assez futuriste, de Balchigo, là où Franky a atterri. Ça, c'est l'un des oiseaux là où Chopper a atterri. On le voit là, Chopper. Alors lui c'est Iradef, je crois, sur l'île où Nami est tombé, sur l'île Wateria. Perona, 2 ans avant. Ah ben Héraclès. Usopp mon pote, qu'il aimait bien dire. Là où il est tombé, Usopp, sur l'île de la grosse plante. Papag. L'île sur l'île des hommes poissons, mais on l'a vu avant, qui est avec Kaimi. Avant d'avoir l'arc du Val et Shabonji.
Ben voilà, Kémy. Octi ou Octo. Une autre carte pub. Et la dernière, Oustace Capitaine Kid. Attention, suivant. Alors lui, c'est Kanjuro, le samouraï, qui était détenu par Doflamingo, enfin, qui a pu se libérer. Smoker. Kinemon, samouraï, l'homme qui se fait découper par l'eau sur Puck Hazard. Alors lui, c'est l'un des combattants du Colisée, mais alors son nom... Ah punaise, je sais plus ce que c'est. Alors lui, c'est les frères... Les frères... Frankie, je crois. Non, Funky, je crois. Funky Brother. Alors lui, c'est celui qui veut pas se battre. Qui est hyper costaud. Ah ben lui c'est le copain à l'autre. Je sais plus c'est quoi son nom. Ah, les cool brothers. Punk Hazard. Alors lui il fait partie de l'équipage de Foxy. Puis, comme vous pouvez voir, juste là, c'est le logo de quel équipage il fait partie. Donc là c'est le grand homme poisson. Ils ont joué contre lui au début back fight. Oh, Baby Five, enfin. Ah, Buffalo, enfin. Alors, lui aussi fait partie de l'équipage de Foxy. C'est quoi lui déjà son nom? Pour qu'il ait un rigné là. Je sais plus. Ah ben, Foxy. Alors lui aussi fait partie de l'équipage de Foxy, je sais plus c'est quoi son nom. Ah, le deuxième frère, cool, brother. Et Barbe Brune. Alors, la petite suite. Ça, nous avons... Très bol. Alors, je sais pas c'est quand il était jeune parce que quand c'est maintenant. Enfin bref. Diamante. L'un des quatre cadres. Ah, et comme trébol de la Don Quixote Family. Lui c'est le carreau. Si je me trompe pas. Oui, Diamante carreau. Oui. Luffy avec la coupe à faux face à Foxy dans le Devil Back Fight. Chopper. Sur l'une de ses transformations. Alors, je veux pas dire de contenu, je le dis pas. Parce que je connais pas toutes ces transformations, honte à moi, qui est fan de One Piece, mais si je dois retenir toutes leurs transformations, les techniques de tout le monde, je vais jamais m'en sortir. Franky sur Dressrosa. Ah, l'autre frère. Alors, j'ai son frère qui est par là, si je me trompe pas. Le frère il est là. Et hop, si on met ensemble, ben ça fait le Colisée au milieu. Donc voilà les deux frères. Ouais, je crois qu'il s'appelle Funky lui, je crois. Un truc du genre. Après nous avons. Lui c'est Dagoma, je crois. Il travaille avec le roi Elisabetto. C'est un stratège, il me semble, lui. Le commentateur, Gatsu, commentateur du Colisée. Ah, nous avons, alors lui, Machivi, la Don Quixote Family. Dillinger, Don Quixote Family, Homme-Poisson. Pika,
quand il a utilisé son fruit du démon. L'un des quatre cadres de la Don Quichotte Family qui a affronté Zoro. Jorah, le Picasso de One Piece. Don Quichotte Family toujours. Alors elle, c'est la directrice de l'usine de la Don Quichotte Family. Argin, si je me trompe pas. Le géant Gareth Arbaff, qui a participé au Colisée. Ouais, au Colisée. Qui s'est fait prendre. Qui a écrasé le taureau. Et du coup, le fils s'est énervé. Il a foutu un coup. Et il est tombé dans les vapes. Et César, avec ses castagnettes, dans la Don Quichotte Family. Sur Punk Hazard, le scientifique fou. Petite pub. Oh, on retourne. Alors lui c'est Sai, participant au Colisée, 13e commandant, enfin 13e chef. Hideo, combattant du Colisée, une petite pub. Alors lui c'est Blue Kilit, Blue, je sais plus quoi, il se bat avec ses jambes, enfin longues jambes, à l'inverse des longs bras. Jambes, nos bras, voilà, voilà. Après, nous avons Luffy en Lushi sur le taureau Coliseum. L'un de mes personnages préférés, Corazon, qui est mort frère de Don Quichotte, Rocinante. La marine qui s'est infiltrée dans la famille de son frère, tuée par ce dernier. Repose en paix. Sugar, fille qui a mangé le fruit du jouet, si je ne me trompe pas, dans la Don Quichotte Family. C'était l'une des pièces de Dressrosa. Qui, dès qu'avec sa main, touchait les jouets. Ça, elle, pourquoi elle est petite? Ben, à cause de son fruit, ben, ça a évité qu'elle grandisse. Vaincue par deux fois par Usopp, d'où sa prime de 200 millions de berries. Baby Five, plus grande. Qui est tombée amoureuse de Sai, qui vont même se marier. Violette, encore l'une de mes personnages préférés, a donc Shot Family, enfin, qui était reine de Dressrosa, enfin princesse. Encore César, à Dressrosa. Gladiadis, fait partie de l'équipage de Flamingo. Une petite pub. Burgess, premier commandant de flotte de Barbe Blanche. Et Barbe Noire. Malheur, Barbe Blanche. Oulala. Machili, la petite princesse des tombes Tata, qui a le pouvoir de guérir tout le monde. Et Léo, tombe Tata. Monosuke, Samurai, Kilemon sur Dressrosa. Alors lui c'est un vice-amiral, Basile, enfin je sais plus comment prononcer. Hack, homme poisson. Révolutionnaire, participant au Colisée, qui s'est fait battre par Bartholoméo. Encore une autre de Koala. L'eau, un autre personnage préféré. Et dernier, le frère. Alors lui, je crois que c'est Bou. Le frère de Sei. Dernier parquet de cartes. Encore une carte pub. Seigneur Punk, je sais jamais. La Don Quichotte Family actuellement. Parce qu'on a eu celle d'avant.
là où j'ai, comme il dit à chaque fois, maintenant, donc short family, un petit papy qui pratique les arts martiaux, le karaté. Doflamingo de maintenant, il est classe, je l'avoue, même s'il est méchant, ma mère elle veut toujours lui piquer son manteau, parce qu'il est rose. Voilà. Sanji, adresse Rosa, avant qu'on le voit plus. Enfin, pendant un moment. Zoro sur Dressrosa. Brooke sur le Sunny. Pendant que les autres sont sur Dressrosa. Robin sur Dressrosa. Je suis pas très fan de Robin, mais là, sur Dressrosa, nouvelle tenue et tout, elle est bien. Chopper sur le Sunny. Usopp. God Usopp. Et la dernière, Nami. Si je me trompe pas, sur le Sunny aussi. Je l'aimais pas avant, mais maintenant, elle est trop bien. Ah, franchement, là, tout ce tas de cartes, je vais un peu les ranger. Eh bien ça, on fait des cartes. Et normalement la prochaine fournée de cartes, ça sera au mois d'août. Avec des cartes sur le film Gold. Là, qui sort à la fin du mois le film. Pour ceux qui ne se rappellent plus, le 23 au Japon. C'est un samedi. Et dans la prochaine vidéo des cartes, je vous montrerai la différence entre les nouvelles cartes de maintenant et les premières. Cela en fait, c'est les nouvelles depuis octobre 2015, l'année dernière, ouais, voilà. Il y a déjà eu 3 séries, donc ils sont dans mes mains. 3 séries de cartes. Là en fait, c'est que des cartes communes. Mais la prochaine fois, je vais sûrement me prendre des cartes rares et peut-être super rare. Voilà, voilà, 3 paquets de cartes. Voilà. Vous imaginez là ce petit paquet, enfin il a l'air grand, il y en a 35 de cartes impeccables. Voilà, 3 paquets de cartes. Je remercie mon pote youtubeur qui me les a filés. Voilà. Plus qu'à trouver où les mettre. Acheter un truc pour les classer dedans. Donc on se retrouve la prochaine fois pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao.